national. Le sens des manifestations, je voulais peut-être magnifier, rendre grâce à Dieu. Parce que moi-même, je suis entré en 76. 45 ans après, vous imaginez, j'ai la chance de vivre encore. Hein. Aujourd'hui, j'ai pratiquement la soixantaine d'années. Et que je puisse assister à beaucoup de mon fils, là, c'est pas donné à tout le monde. Donc là, je magnifie ce... je rends grâce à Dieu pour avoir vécu autant d'années, pour pouvoir assister maintenant, faire entrer mon fils. Voilà. Parce que mon papa n'est plus. Je ne crois pas qu'au prochain brut que moi je sois là. Donc 45 ans après, les Bayotes, constitués de 7 villages, vont maintenant entrer. Tout à l'heure d'ailleurs. Tout à l'heure, parce que c'est dans les Bayotes, c'est le matin. Tout à l'heure, on va entrer dans le bois sacré. Tout est pratiquement fin prêt, les dispositions ont été prises et bientôt ça va bouger. Le sens du Bukut, il est un peu partout chez un pays violent. Hein. C'est l'initiation pour le jeune homme qui entre, vous le savez tous, hein, qui va dans le bois sacré, qui va se familiariser avec certains règles d'éthique et de déontologie de la société Djola. Parce que le Bukut, c'est un peu ça. C'est la société Djola. Donc le jeune initié va se familiariser. Tout ce qui est éthique, tout ce qui est déontologie, tout ce qui est interdit, tout ce qui est autorisé. Mais en plus de cela, il va se familiariser avec des idées de solidarité. De solidarité, de défense de la patrie. Parce que chez nous, en pays du Yola, quand il faut défendre la patrie, c'est tout le monde qui défend la patrie. Donc, en principe, le Yola, il est un patriote. Quand c'est le village qui est attaqué, quand c'est sa société qui est en danger, il réagit. De manière communautaire, parce qu'il est communautaire aussi. Donc c'est toutes ces valeurs-là qu'on va inculquer aux jeunes initiés qui sont là, à qui on tente de... qu'on a regroupé déjà, parce que depuis hier, on les a réunis. Voilà. Et puis voilà, tout à l'heure, on va les accompagner pour les inculquer, toutes ces valeurs-là. C'est des valeurs de travail, des valeurs de secret aussi. Parce que la communauté a des secrets qu'on ne doit pas dévoiler. On est dans une société... Donc on ne doit pas dévoiler certaines choses, donc c'est toutes ces valeurs-là en fait. Toutes les valeurs humaines qu'on peut imaginer dans ce monde-là sont inculquées à ces jeunes-là qui demain deviendront des hommes, qui vont prendre la relève demain, qui vont sécuriser leur société, qui vont gérer leur société demain dans le respect des ancêtres. Voilà. Quelle est la particularité du Bukut de cette année par rapport à celui de ce... Mais le Bayot, la particularité au niveau du Bayot pour cette année, c'est qu'on est resté 45 ans. Pourquoi 45 ans? Parce que le Bayot, vous le savez tous, a été secoué par la crise 96. Quand tu vois Kazulu, a été dérépi. Le village là, je suis revenu ici en 89, il n'y avait aucune maison. Vous allez voir la tombe de mon papa, il n'y avait aucune maison ici. Actuellement, il y a des maisons. Donc, c'est des villages. Quand tu prends Kazulu, tu prends Kazinen, tu prends Bazéré, qui vont entrer, tous ont été dérépi. Ce qui a fait que, explique ce retard-là. C'est des villages qui ont été à part Niassia et Tomé, hein, mais tout le reste a été dérépi. Du fait maintenant du retour de la paix, les Bayotes s'engagent dans le Bukut. Voilà. Donc le contexte est là, c'est un contexte favorable. Puis même Badem, chez moi à Badem, parce que moi je suis originaire de Badem, mais je rentre à Kazulu. Nous, on est de Badem, mais quand il y a Bukut, on entre à Kazulu. Ma maman est de Bagam, donc c'est des villages libérés. Donc aujourd'hui, c'est formidable que le Bayot retrouve la paix. Et célèbre justement. Et célèbre le Bukut. C'est une belle coïncidence. Dans l'espoir de retrouver la paix. Une paix définitive. Et dans le cadre de la relance économique. Parce que vous avez vu, le Bayot, ce n'est pas un pays pauvre. Ce n'est pas une partie pauvre. Tu plantes, ça pousse. Tu élèves, ça grandit. Donc les gens vont retrouver cette paisibilité qui les permet de retrouver une vie paisible qu'ils n'ont pas trop exigé de l'État. Parce que ici, les gens sont tranquilles. Journal.